Parvectera, Parvectera, Parvectera! Oh, c'est incroyable! C'est vous? C'est vraiment vous, n'est-ce pas? Le capitaine du Frontière? Le fléau de la flotte? Oh, l'étoile scintillante de Constellation! Alors cette journée est vraiment bénie! Vous savez, pendant un instant, je me suis demandé si c'était vraiment vous ou bien une autre de ces hallucinations. Mais maintenant que je sais que c'est bien vous, oh, quand je pense que j'ai failli aller me chercher un café à la place. Il suffit que je change mes habitudes une fois et vous voilà, comme si c'était le destin qui nous réunissait. Est-ce que vous suggérez que j'ai cherché où vous étiez et traqué votre position avant de vous suivre jusqu'ici? Qui serait assez dingue pour faire une chose pareille? Il aurait d'abord fallu que je sache à quoi vous ressemblez. Et maintenant, c'est le cas. Quoi qu'il en soit, c'est un honneur de vous rencontrer. Dites, ça vous embête si je viens avec vous? Vous avez besoin d'un acolyte? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Tous les héros ont besoin d'un acolyte. Allez-y, je vous suis. Oh, j'aurais dû m'en douter. De toute évidence, une personne de votre trempe n'a pas besoin d'aide. Eh bien, je continuerai simplement à surveiller vos exploits à distance. Imaginez un peu les flux de crédit qui traversent cet endroit. Au sens figuré, évidemment. Avec la Galbanque, votre argent est toujours en sécurité. Écoutez, j'ai beaucoup à faire, là, et... Vous n'avez pas l'air d'une nouvelle recrue qui m'apporte le café. Qui êtes-vous exactement? Constellation. Vous parlez bien de cette organisation secrète et mystérieuse? Eh bien, je lisais des histoires sur vous quand j'étais petit. Je suis épaté. C'est fabuleux. C'est le destin, vraiment. J'ai une offre très lucrative à vous faire. Ça pourrait s'avérer fructueux pour chacun d'entre nous. Bien, parfait. Pour tout vous dire, je suis un peu désespéré. Travailler dans l'analyse de crédit, c'est traiter avec les mauvais payeurs et les dépravés. C'est pas un métier simple. Ce qu'il me faut, c'est un démarcheur. Quelqu'un qui s'occupe des plus grands délinquants. Ce qu'il me faut, c'est... vous. Travaillez avec moi et je saurai vous récompenser généreusement. Votre enthousiasme fait plaisir à voir. Mais on va commencer petit avant de nous attaquer au plus gros poisson. Avec plaisir. C'est un escroc de première classe qui a demandé un prêt pour ouvrir un restaurant franchisé près de l'hôtel Stellaris. Sauf que, devinez quoi, c'était une arnaque. Et ni une ni deux, Dieter Maliki quitte le système. Il est littéralement allé se fourrer dans une cabane au milieu de nulle part. Vous y croyez? La mission est simple. Forcez-le à payer. On ne veut pas sa mort, ni le faire souffrir. Juste qu'il clôture son compte comme un honnête citoyen. S'il décède, ses actifs seront liquidés. Et on touchera notre argent. Donc si vous devez le tuer pour sauver votre peau... Sachez que ça ne pénalisera pas financièrement la Galbanque.
Mais j'insiste, ce n'est pas la solution idéale. Si on voulait l'éliminer, on aurait envoyé un assassin à ses trousses. Il faudra peut-être lui mettre la pression, lui faire peur. Rien d'illégal, juste lui parler un peu. Et ne le laissez pas vous embobiner, allez pas croire que les types dans son genre volent des crédits pour payer une opération à leur pauvre tante sans le sou. Ce sont des fraudeurs, des ordures, qui commettent sciemment une rupture de contrat envers la Galbanque. Écoutez, j'ai beaucoup à faire. Vous n'avez pas l'air d'une... Écoutez, j'ai beau... Vous n'avez pas le... Constellation. Eh bien, c'est fabuleux. J'ai une offre... C'est précisément une... Pour tout vous dire, travailler dans l'analyse de... Ce qu'il me faut, c'est un déma... Ce qu'il me faut, c'est... Avec plaisir. Sauf que, devinez, il est littéralement allé se fourrer... On ne veut pas ça. Je vous enverrai tous les détails. Trouvez Dieter et soldez son compte. Alors on arrête l'exploration pour recouvrer des dettes? C'est pas vraiment un passe-temps digne de Constellation, mais je vous suis. Au fait, ne le prenez pas mal, mais les gens malhonnêtes sont partout, vous savez. Si vous trouvez un arrangement avec Dieter, sincèrement, j'ai aucun moyen de le savoir. Mais ce sera la dernière mission que je vous confierai. Bonne chance. J'ai confiance en vous. Oh, t'es plus du tout la même. Comment puis-je vous aider à atteindre votre meilleure vie? Sublime. Bonjour et bienvenue chez Enhance. Merci pour votre visite. Je suis sûr que mon équipe et moi saurons vous donner satisfaction. Si vous voulez essayer quelque chose sur un coup de tête ou reproduire un look qui vous a tapé dans l'œil ailleurs ou simplement apprécier un peu plus votre reflet dans le miroir, vous êtes à la bonne adresse. Tous nos services et nos dossiers sont strictement confidentiels, alors pas d'inquiétude. Je ne suis pas autorisé à dévoiler les motivations personnelles ou les services sollicités. Mais franchement, ce peut être n'importe quoi. Une subtile correction. Revenez quand vous voulez. Malheureusement, je ne suis pas autorisée à prendre ces rendez-vous moi-même. Ouais, cours après les assistants. Mettons-y. Les différents chantiers spatiaux des systèmes occupés. Et les scores finaux sont... Traînez pas dans le coin.
en a encore au fond si vous trouvez pas ce qu'il vous faut. Si ça a sa place sur votre vaisseau, jetez un œil. Merci pour vos achats chez Jamieson Mercantile.
Si vous trouvez pas ce que vous cherchez, jetez un œil. Jetez un œil. Merci de votre venue. New Atlantis va me manquer quand même. Tirable. Non, je crois pas.
J'ai traversé les systèmes occupés dans tous les vaisseaux possibles, et pourtant j'ai encore la nausée dans les transports. Pas Jamison, mais je me sens comme chez moi dans ce vaisseau.
C'est exactement le genre d'endroit où il ne faut pas établir d'avant-poste. Les moteurs ?
Tant qu'on est là, passons prendre des munitions au Centaure. Vous allez là-haut, hein ? Nous allons vous scanner lorsque vous entrerez en ville. Inscription acceptée. Vous pouvez à présent consulter les panneaux historiques dans la salle d'intégration ou passer directement à l'examen. En 2150, l'humanité a découvert que la magnétosphère terrestre allait s'effondrer dans les 50 années à venir, éliminant toute vie à la surface de la planète. Une action décisive s'avérait nécessaire, mais le transport sécurisé d'une civilisation entière requérait un nouveau genre de coopération, de courage et une nouvelle façon de s'unir. C'est pourquoi, en 2159, l'Union coloniale fut formée pour rendre ce voyage possible. Seulement un an plus tard, le Galilée, premier modèle d'une série de vaisseaux coloniaux, se posa ici même sur Jemison et permit à l'humanité d'entrer dans une nouvelle ère, celle de l'Union coloniale. Les efforts et l'organisation qu'il a fallu pour littéralement évacuer toute la planète, vous imaginez ? Rien que la...
logistique seule devait être folle. De la déclaration du centaure m'a toujours laissé un goût amer. Tellement de conflits en ont émergé. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Ce n'est qu'en 2230 que la faction connue sous le nom de Maison Varun se fit connaître auprès du reste des systèmes occupés. Fondée par les passagers d'un vaisseau colonial ayant quitté New Atlantis et disparu 4 décennies plus tôt, la Maison Varun était radicalement différente des autres factions. Cette théocratie entièrement dévouée aux croyances de son fondateur isolationniste, Jinan Varun, manifesta au départ des intentions pacifiques envers le reste des systèmes occupés. Les Varun affirmèrent avoir pour seule intention de répandre la parole de leur dieu, le Grand Serpent. Or, nul ne se doutait que cette adoration allait prendre la forme d'une guerre sanglante, la croisade du serpent. La Confédération Liberastra fut fondée en 2188, lorsque les citoyens d'Aquila décidèrent de s'allier à Néon, la ville des plaisirs, pour assurer leur défense mutuelle. Mais en 2194, après le déploiement d'une station spatiale médicale de l'UC en orbite de leur monde, les citoyens de Narion demandèrent également à rejoindre la Confédération. Il en résulta une escalade des tensions entre la Confédération Liberastra et l'UC, qui aboutit au premier conflit intergalactique des systèmes occupés, la guerre de Narion. En dépit d'une victoire décisive remportée par l'UC, les citoyens de Narion furent autorisés à intégrer la Confédération, jetant ainsi les bases d'une coalition aux fortes velléités d'indépendance qui perdure encore aujourd'hui. Son fondateur en 2263 et avec l'accession au pouvoir de son héritier, Jarek, que la Maison Varun chercha enfin à rétablir la paix. Il reste encore cependant quelques membres de la Maison Varun qui refusent de reconnaître la fin des hostilités ordonnées par leur leader. Même après la mystérieuse disparition de la Maison Varun, ces zélotes restent aujourd'hui une menace pour tous ceux qu'ils rencontrent. Parmi les nombreux conflits qui ont
composèrent les grandes factions galactiques, aucun ne fut plus violent que la récente guerre coloniale, disputée entre l'UC et la Confédération Liberastra. Elle fut déclenchée par la colonisation illicite de Vesta Sprite par Liberastra en 2308, une violation directe du traité de Narion, et gagna rapidement toute la galaxie. Les deux belligérants tirèrent parti de tous les outils à leur disposition. Armada de vaisseaux de guerre, plateformes de combat mécanisées ou méca, et même créatures aliens biologiquement modifiées, les tristement célèbres xénoarmes de l'UC. Ce ne fut qu'en 2311, lors de la bataille de Cheyenne, que le conflit s'acheva. La Confédération Liberastra, utilisant sa flotte civile comme bouclier humain, parvint à vaincre la marine pourtant supérieure de l'Union coloniale. Après sa victoire inattendue contre la plus grande marine de la galaxie, la Confédération Liberastra proposa ses conditions de paix que l'UC, refusant de nouvelles pertes humaines inutiles, s'empressa d'accepter. Depuis lors, la galaxie est toujours en pleine reconstruction. La guerre coloniale fut un horrible conflit qui blessa irrémédiablement le système. Il fut un temps où je pensais qu'elle ne s'arrêterait jamais. Rares furent le monde occupé à être épargné par la guerre coloniale. Mais l'exemple le plus flagrant de la cruauté atteinte par la guerre moderne eut lieu sur la planète Nihira de Liberastra. Initialement occupée par les forces d'invasion de l'Union coloniale comme poste d'opération avancé, la planète subit des assauts répétés de la part des forces de Liberastra voulant la reprendre jusqu'à sa dévastation. De larges étendues de ce monde furent réduites en cendres, témoignage cauchemardesque des extrémités que peuvent atteindre l'ingéniosité et la cruauté humaine. Aujourd'hui encore, Nihira nous rappelle à tous les horreurs de la guerre. Un centre d'approvisionnement récemment construit, mais critique pour l'effort de guerre de l'Union, Londinion, s'est retrouvé envahi par l'un des prédateurs les plus mystérieux de la galaxie, l'Orimorph. Une menace rare mais omniprésente pour tous les mondes colonisés, les Orimorphs déferlèrent sur la ville en semblant surgir de nulle part, un assaut d'une envergure jamais vue dans l'histoire. Malgré la bravoure des militaires de l'UC, qui parvinrent à ralentir le massacre, les créatures se révélèrent inarrêtables. Finalement, la décision fut prise de détruire le port spatial de Londinion, isolant la ville, les envahisseurs et les citoyens du reste de la galaxie. De nos jours encore, la tragédie de Londinion endeuille l'UC. Liberastra se rencontrèrent pour ratifier un traité qui fut connu sous le nom de l'armistice. Les deux camps acceptèrent une vaste réduction de leurs forces et bannirent les xénoarmes ainsi que les mécas. Toutes les recherches sur le sujet furent enterrées, accessibles uniquement en cas d'extrême urgence. Mais la Confédération exigea autre chose. Que les chefs militaires de l'UC soient jugés pour leurs actes. L'Union coloniale, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité galactique, accepta. En 2311, trois officiers supérieurs de l'UC furent jugés coupables. Le commandant Henri Durand, le général Indira Rastogi et l'amiral de la flotte François Sanon, plus connu sous le nom de Vae Victis. Tous furent condamnés à mort pour leurs actes, ce qui mit fin à la guerre coloniale et ramena enfin la paix dans la galaxie. J'étais une fervente supportrice de l'armistice. Toutes ces armes utilisées dans un camp comme dans l'autre, il fallait que ça cesse. C'est dans ce nouveau monde qu'est née l'avant-garde. Branche officielle de la marine coloniale,
l'avant-garde est la flotte de volontaires de l'Union et assure aussi bien les rôles de protection et de logistique que de reconnaissance. La citoyenneté de l'UC est garantie à tous les membres de l'avant-garde au terme d'un service d'une durée jugée suffisante. Ouverte à tous les capitaines, quelles que soient leurs origines, l'avant-garde protège et soutient les citoyens de l'Union coloniale, où qu'ils se trouvent dans la galaxie. Personne n'est citoyen de l'Union coloniale. L'unique moyen d'obtenir cette distinction est d'accomplir son service. Mais l'UC peut s'enorgueillir de prendre soin de son peuple. Grâce au contrôle exercé sur les coûts de la vie, nos citoyens déboursent moins qu'ailleurs pour subvenir à leurs besoins, quels qu'ils soient. Tous les citoyens qui rejoignent l'Union reçoivent une subvention pour bien démarrer leur nouvelle vie. En outre, seuls les citoyens de l'UC sont aptes à acquérir une propriété, et donc à saisir l'occasion de vivre dans une des plus belles villes des systèmes occupés. En rejoignant l'avant-garde aujourd'hui, vous aussi pourrez commencer à gagner votre place parmi nous, au cœur de la civilisation galactique, en tant que citoyen de l'Union coloniale.